Alors, je suis de retour avec vous sur YouTube. On est toujours le 9 août 2022, 14h15, heure du Québec. Merci encore une fois d'être là avec moi. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faites-le. Maintenant, on vit des moments extrêmement difficiles pour, pour le citoyen ordinaire, le citoyen normal, celui qui fait partie du troupeau de moutons. Et ça se. Ça ne va pas s'améliorer dans les semaines, les mois et les années à venir, ça va se détériorer. On a brisé l'idée, maintenant c'est accepté que nos traditions devaient être jetées à la poubelle ou par la fenêtre et que là on devait arriver avec des nouvelles normes pour la société, des nouvelles normes supposément d'inclusion, de tolérance, de toutes sortes d'idéologies qui ont toujours été et qui font toujours partie de l'humanité celle de, de tolérance, d'acceptation. Nous autres, on n'a jamais eu de problème. Le monde ordinaire, on, on, on vit ensemble. C'est l'élite qui va envahir d'autres pays, qui exploite d'autres populations. Mais là, on veut faire avaler la pilule, que, puis on n'en parle jamais, c'est tabou, hein, que c'est l'élite qui a tout causé. Le drame qu'on vit maintenant s'est accumulé au, au fil des décennies, des siècles et des millénaires. Mais on veut nous faire porter le fardeau sur nos épaules. Et là, on veut changer les paradigmes, la société, les normes. Et là, c'est accepté maintenant comme quoi. L'agriculture, comme on la connaît, est responsable de tous les maux. Vos traditions culinaires, vos traditions sociales sont, religieuses, ou peu importe, sont toutes à jeter par la fenêtre, sont responsables de toutes les atrocités. Et on en est rendu là. Et tu as des entités. Comme le Forum économique mondial, Davos, l'ONU et plein d'autres organismes comme ceux-là, qui sont les véhicules de ces idéologies, puis qui sont en grande partie responsables du programme mondial qu'on a, du projet mondial qu'on a. Le Forum économique mondial de Davos a ses tentacules partout dans tous nos gouvernements occidentaux maintenant. Contrôle tous les agendas politiques. Et tout ça est chapeauté peut-être par derrière ou à égalité entre ces entités-là euh, et le Parti communiste chinois qui pousse et qui pousse. Puis d'ailleurs, toutes nos grandes entreprises, d'ailleurs, tout ce que vous consommez sur Terre appartient à deux groupes mondiaux, Vanguard et BlackRock, qui les deux appartiennent à la grande famille des Rothschild, entre autres, et des Rockefeller. Qui gouvernent et qui contrôlent le Forum économique mondial, le Fonds économique mondial, la Banque centrale européenne, la Réserve fédérale américaine, la Banque canadienne, toutes les grandes banques sont toutes la propriété de cette lignée royale sanguine qui gouverne depuis des milliers d'années, disons. Et c'est ces gens-là qui imposent. Et d'ailleurs, toutes ces grandes, tout ce que vous mangez, tout ce que vous utilisez dans la vie de tous les jours, appartiennent à Vanguard et BlackRock, deux, les plus, deux plus grandes sociétés d'investissement, les deux qui, con, qui, qui, qui sont propriétaires de toutes les autres en dessous. Toutes les autres. Toutes les marques que vous voyez appartiennent à des marques de maison mère. Et c'est comme ça dans tous les domaines. Et toutes ces marques-là appartiennent éventuellement à tous ces groupes d'investisseurs, ces investisseurs qui sont tous représentés dans deux groupes qui investissent les uns dans les autres aussi. Vanguard et Black Rock. Et c'est là où on en est. Et là, on pousse pour vous démoniser votre, votre idéologie, votre système de vie, votre, vos traditions. On voit l'attaque contre les fermiers de, de Hollande. Hein? Ça, c'est les premiers. Ben, il y a eu le Sri Lanka qui est en complète effondrement, anarchie totale. L'Irak sont les prochains probablement sur la cible. Et là, tu as... Les fermiers allemands, euh, hollandais, pardon, qui sont la cible du gouvernement hollandais, un euh, gouvernement totalitaire, qui veut éliminer 50 à 75 de ces fermes-là, qui sont supposément responsables. Maintenant, votre viande, votre tradition alimentaire est responsable du changement climatique. Et pour sauver la planète, il faut absolument éliminer. Donc, ça, c'est un premier pas. Après ça, ce sera tous les autres pays qui seront la cible. De cette attaque pour aller récupérer des terres. Dans le fond, on va aller récupérer des terres parce qu'aucun fermier, famille de fermiers va être capable de supporter des grandes terres comme ça sans revenus parce que tu ne pourras plus élever de bétail. Et on ira chercher toutes ces entités qui nous gouvernent, cette élite de lignée royale qui n'accepte pas le fait qu'on se soit hein, sorti de la misère des, du Moyen Âge. Le, mou le troupeau de moutons, eh bien, là, on va venir commencer à tout sectionner ça, à tout charcuter ça, puis à reprendre ces terres qui, j'imagine, eux prétendent qu'elles appartiennent, comme la Chine prétend que Taïwan lui appartient. D'ailleurs, moi, ce qui m'étonne toujours dans les grands médias, puis ces grands spécialistes qui sont là à marcher sur des oeufs avec la question taïwanaise, et la Chine qui prétend que ça lui appartient... Euh, tous ces gens-là qui sont toujours là à défendre la veuve puis l'orphelin, ça leur est jamais venu à l'idée, ces élites-là, les animateurs de télé, de se rendre à Taïwan puis de demander à la population qu'est-ce que vous voulez. C'est comme si on, si on, on prend ce qu'on veut, on prétend que ça c'est à nous, hein, au niveau de l'élite ancestrale de lignée royale. Taïwan, ça nous appartient. Euh, ça t'est jamais venu à l'idée de demander à la population qui est là? Ce qu'elle veut, elle? Est-ce qu'elle veut être sous le, le gouvernement de la Chine ou elle veut rester indépendante? <laughs> c'est comme tellement, tellement, tellement flagrant l'hypocrisie de tous les médias, de tous ces pseudo-experts qui sont là ici de te convaincre que ce sont des experts. C'est eux qui t'amènent dans le chaos. Puis c'est ces mêmes experts-là qui t'envoient toujours dans le chaos, comme dans l'histoire de l'Irak et des armes de destruction massive de Saddam Hussein, où on a convaincu le monde qu'il fallait. Absolument se débarrasser de Saddam Hussein, comme si c'était le seul être ignoble à la tête d'un gouvernement. C'est avéré que ça n'existait pas, son programme d'armes de destruction massive. Mais on a envoyé le monde en guerre. Complètement hallucinant. Pendant ce temps-là, la seule chose qui est vraiment importante à retenir, c'est que oui, l'humanité, comme on la vit en ce moment, a atteint peut-être un point de non-retour au niveau de la consommation. Et c'est ces grandes entités commerciales, manufacturières, industrielles et économiques qui font qu'on consomme toujours, et qui veulent toujours qu'on consomme, parce que l'idée de s'en aller avec une énergie verte et tout ce que vous pouvez imaginer comme nouvelle religion qui est attachée à ça, on ne nous fait pas arrêter de consommer, tu comprends? Parce que ces gens-là s'enrichissent, sont dépendants de notre consommation. C'est comme ça qu'ils deviennent de plus en plus puissants et de plus en plus riches. Donc le problème auquel on fait face, et c'est très, très important pour la santé humaine, on le voit, et d'ailleurs merci à l'abonné qui m'a envoyé le lien, partout dans le monde, l'eau de pluie contient des produits chimiques cancérigènes, ça y est, c'est maintenant un fait, publié le 3 août 2022. Il est désormais à la, elle est désormais impropre à la consommation, même dans les régions les plus reculées de notre planète. Oublions le changement climatique qui est cyclique, qui va revenir et qui va perturber chaque jour de nos vies depuis toujours, et ce n'est pas fini. Ça, c'est probablement la nouvelle la plus importante, en plus de tout le reste dont on parle régulièrement et de cet agenda de notre chère élite et les décadentes associées à la Chine, ben, l'eau est devenue impropre. La présence de produits chimiques dans notre atmosphère est aujourd'hui si élevée que la qualité de l'eau se dégrade jour après jour, comme la qualité de notre vie, selon les dernières directives en la matière, dont fait écho un article de The Independent, qu'importe la région du monde dans laquelle vous vous trouvez, l'eau de pluie est dorénavant induvable imaginez-vous au cours des dernières décennies les substances perfluoroacrylées euh, et polyfluoroacrylées excusez-moi la, la prononciation ou les pfas aussi appelés produits chimiques éternels se sont répandus dans le monde entier à travers les rivières les océans les sols à tel point que se trouvent désormais sous la pluie et la neige. Or, certaines d'entre elles ont été associées à de nombreux soucis de santé et de maladies graves, cancer, infertilité et complications de grossesse, hypercholestérolémie, déficit humanitaire, problèmes d'apprentissage et de comportement chez les enfants. D'après une étude parue le 2 août dans le journal Environmental Science and Technology et menée par des chercheurs de l'Université de Stockholm et de l'École Polytechnique fédérale de Zurich, ces substances seraient davantage présentes dans nos eaux que ce que laissent penser les valeurs indicatives actuelles. Au cours des 20 dernières années, il y a eu une baisse étonnante des valeurs indicatives des PFAS dans l'eau potable, explique Ian Cousins, auteur principal de l'étude, par exemple la valeur indicative de l'acide Perfluoro-octanoïque, un cancérigène bien connu de la classe des PFAS, a chuté de 37,5 millions de fois aux États-Unis. Pourtant, les dernières analyses américaines au sujet de l'eau de pluie sont claires. La concentration de ces produits est toujours trop élevée et la rend impropre à la consommation. Donc, vraiment fascinant. Je vous laisserai cet article-là. Vous irez le lire. Ça y est, maintenant, on ne peut plus s'en sortir. Et c'est. Probablement ça, le problème le plus urgent auquel on devrait faire face plutôt que de vouloir nous endoctriner, changer notre mode de, de consommation pour en faire un mode de consommation <rire> renouvelable, <rire> vert. Pendant des décennies, on nous a dit qu'on manquerait de pétrole. Il y en a tellement que maintenant, on a été obligé de changer le discours et de nous dire ben finalement, il faut qu'on laisse le pétrole, sinon on va tous mourir dans 12 ans. ben je pense qu'il y a plus que ça derrière. Les problèmes auxquels on a à faire face. Et celui-là est vraiment très, très, très inquiétant. Merci à l'abonné qui m'a l'envoyé. Et je vous laisse dans la boîte de description.